L'intimité, c'est la proximité émotionnelle. L'intimité, c'est la communication. L'intimité, c'est la gestion de conflits. C'est le sentiment que personne ne vous connaît mieux que l'autre. Vous comprenez, c'est ça, l'intimité, l'attraction. Maintenez l'attraction pour l'autre. Et faites en sorte de continuer de maintenir l'attraction envers l'autre, pour l'autre et envers l'autre. L'attraction, c'est quoi? C'est l'excitation pour l'autre. Pas uniquement l'excitation sexuelle, mais l'excitation à revoir la personne, à partager de sa journée avec l'autre. Cette excitation à voir l'autre, à toucher l'autre, à caresser l'autre, à embrasser l'autre, à lui faire l'amour et à échanger. Donc à la fois, c'est cette excitation pour l'autre, mais dans son intégrité. C'est aussi l'attraction, c'est d'avoir envie de vivre des aventures, et pas que sexuelles, des aventures. On veut entretenir l'aventure. C'est l'attraction, c'est ressentir les papillons dans l'estomac pour l'autre. L'attraction, c'est être heureux de voir cette personne à la fin de la journée. C'est ce sentiment amoureux, c'est ça l'attraction, vous comprenez? C'est une question de priorité. Vous faites de vos relations une priorité, ou pas. Mais ne dites pas, ce n'est pas fait pour moi l'amour, je ne trouverai jamais personne. Je ne suis jamais tombé sur le bon homme ou la bonne femme. Au travail, de toute manière, c'est impossible de connecter, d'être heureux au travail. Vous ne réalisez pas que les relations, ça vous coûte une fortune en termes de connaissances, parce qu'on apprend des autres. Tu veux acheter de l'immobilier, je ne sais pas, un immeuble du 10, 15, 20, 30, un immeuble à rapport. Tu crois que tu vas l'avoir dans les petites annonces, ton immeuble? Tu vas l'avoir grâce à tes relations. Des fois, le meilleur boulot, t'as un ami qui travaille dans cette entreprise, il peut te présenter relations. Une soirée, un cocktail, un lunch, et tu rencontres l'homme ou la femme de ta vie. Les relations, les relations, les relations. Le bien-être, le sentiment d'avoir bien travaillé sa journée, les relations. C'est comme la santé. La plupart d'entre vous, vous ne dépenserez jamais un seul euro, un seul dollar dans un livre qui va vous permettre d'enrichir vos relations. La plupart, j'ai dit. Peut-être pas les gens qui m'écoutent, mais la plupart des gens.